Et nous sommes de retour. On va devoir s'équiper. Nous sommes de retour dans ce lac. Ok, nickel. Je crois que deux murs c'est largement suffisant. C'est quatre, c'est un peu débile. Donc nickel. Donc ça marche très bien. Donc on va tout simplement partir. On va aller au à notre deuxième base. On va voir ce qu'il y a là. Enfin, c'est des bio-usines, mais est-ce qu'on peut construire sur les bio-usines? On voudrait bien voir si on peut. Faire attention où on se téléporte. Nickel. Nickel. Ah, ne touche pas. Ok, on est arrivé à la base. Alors, fais voir ta bio-usine. C'est avec les canons et tout. Ok. Ok, on va mettre des tourelles ici. Cette île est trop petite pour construire une ressource de production. Nous n'avons pas besoin de l'assaulter. There is a biofactory on this island, Ashley. We should at least destroy the factory to reduce the strength of enemy attacks. Ça marche. Nickel. Voilà. Enfin, c'est honnêtement, on peut construire des trucs ici. Hein. Je veux pas dire, mais on peut complètement construire des choses ici. C'est pas trop petit. Enfin, oui, c'est petit, mais ça passe. Hein. Ça passe, ça passe. Alors ça, on le détruit. Qu'est-ce qu'on a d'autre à détruire? Il n'y a pas d'autres plantes. Non, ça va. Ok. Mode construction activé. C'est parti. C'est parti. Que je fasse pas de la merde. Et là ça fera... Hop. Ah, très bien. On va mettre un téléporteur là pour le moment. J'imagine qu'on devrait directement se concentrer en fait sur... sur créer notre réserve de machin. Au lieu de faire les murs, je n'en sais rien. Nickel. Et troisième. Troisième. Hop. Hop.
Ouais, là on mettra des trucs. C'est bien. Putain de merde. Oh la pisse. Ok, nickel. Alors, vite, 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 vite. Construction. Déjà ça. Déjà ça. L'autre, il est en bas. Nickel. Faire des réserves de... électriques déjà. Nickel, maintenant les tuyaux. Les tours directement. Nickel. Alors, on va faire un truc sympa encore une fois. Là, ce sera encore plus rapide par contre. Voilà, nickel. Bien, bien, bien. Et on va faire passer... Bah, passer par là, par exemple. Très bien, par là. Encore une fois, ce qui nous fait chier, c'est ces merdes. C'est ces... Alors, il nous faut ça. Attends, comment ça va ? On va agencer. Donc la place là, on va faire les... Oh là là. 4, ça devrait suffire. Je suis bloqué. Merde. Fais attention que c'était des ennemis. Ah, il faudrait mettre un, directement un... Merde. Des radars. Tiens, ça va être sur notre première base. Ok, nickel. Là, il faut... Évidemment. Ouh, qu'est-ce que c'est relou, ces trucs. Fais voir. En plus ça prend de la... Non, fuck, on va pas mettre ça. Vraiment un truc casse-couille, quoi. Ok, c'est bon. On en consomme pas assez, c'est très bien. La base, elle devrait se débrouiller honnêtement seule. Quasiment certain que ça devrait passer.
Oui, j'avais dit d'abord on voudrait au moins deux radars parce que on voit rien en fait arriver. Donc là c'est pas mal. Et là c'est pas mal. Voilà. Non. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Très bien, on va continuer à faire des pompes. On va faire rentrer le tuyau ça. Par là. Ouais, par là, ça a pas mal. Nickel. Là on a un peu un quadruple là, truc que j'aime pas trop ce qu'on a fait. J'aime pas trop, c'est pas joli en fait. Faire comme ça. Ouais non mais de toute façon ça le fera, que ça le fasse là ou là. Enfin non on va juste la tourner. Voilà. Putain là ça fait chier, là ça bloque. Ah parce que là y a pas assez de. On va voir. Ah mais attends là ouais non il me faudrait des. Genre là comme ça peut-être. Alors honnêtement on est bon. Hein. Ouais honnêtement on est bon. Que ça ouais. Non mais ça va, ils se font défoncer petit à petit par les tirs. Tu peux voir. Oui non ça va. Oui, oui, non, on est très bon. On est très bon. C'est un peu du détail, en fait. J'y suis retourné un peu pour juste au cas où, quoi. Mais en fait, ça allait direct. Il n'y avait aucun accrochage. Hop là. Voilà, on a raccroché ça, très bien. Nickel. C'est là.
vrai que directement mettre des tourelles à la sortie, bah du coup, ouais, ça protège directement. Voilà, c'est nickel. Nickel. Et on va faire rentrer... je sais pas trop... Calme-toi la musique, j'aime pas quand elle s'énerve comme ça la musique. Ça y est, elle m'a entendu, elle m'a entendu. Tu peux voir un peu? On a connecté tout le tour, ça va. On est à 3200 Morphus, ça va. Très bien. Maintenant. Alors, vas-y, fais voir. Nickel. Après on avait dit lance-roquette, c'est pas mal. Ça. Après on va devoir mettre des soins. Voilà. On est nickel, c'est pas mal là ce qu'on a fait, c'est très joli. On trouve à chaque fois notre style en fait. C'est ça qui est marrant avec ces petits mondes là. Alors voilà, maintenant on va mettre du soin. On pourrait mettre du soin comme ça. Voilà. Voilà. Hop. Et on est nickel. Bah ça va vite en fait, ça va très vite. Alors qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? On va mettre des gatlings vite fait. Juste au cas où là s'il y a trop de trucs volants. Alors, donc on a du tuyau. Ah oui, il faudrait mettre un peu plus de défense de ça. Pour protéger l'intérieur du périmètre. Voilà, parfait. Ça s'est protégé parce que s'il n'y a plus le téléporteur ça va être casse-couille. Donc maintenant on voudrait plus de... Je sais même pas si ça sert vraiment à quelque chose hein, mais voilà. On va faire des trucs comme je veux. Donc décompresseur, donc compresseur liquide. Donc, compresseur liquide 1, 2, 3, on peut en faire comme ça. Enfin non, on va peut-être... on va sûrement avoir besoin de plus d'énergie en fait.
Et après, donc, compresseur liquide. Ça a tué tout le monde autour, ouais, ça va. Voilà, nickel. Et tourelle genre là, voilà. Alors après, est-ce qu'on va avoir assez de réserves? On en consomme trop. Ok, il nous faut plus de pompes. J'avais pensé, genre par exemple celle-là on l'a pas mise. Encore une pompe et ça devrait être bon. Encore une. En fait, j'ai mis une tourelle de trop, quoi. Non, ça a pas changé. Ça consomme combien les tourelles? Moins 25. Mais pourtant, ça a pas baissé. C'est pas grave. Ah, parfait. Elle est parfaite celle-là. Nickel. Elle est nickel. Ben voilà, notre base est finie. Alors, on consomme 3700 et on production, c'est 3800. Enfin, c'est l'inverse. Enfin oui, c'est montré comme si c'était l'inverse, mais voilà, donc là ça augmente. L'électricité, on est bon, on est à 2500. Voilà, c'est très stable. On pourrait même faire des trucs encore ici, mais ça sert un peu à rien. Là, on en a combien des trucs? On en a 6. Si on fait plus de pompes, on peut peut-être faire plus de machins, là. Aïe aïe aïe. Nickel. Après on peut connecter toutes les pompes entre elles. C'est vrai que ça aussi. Parce que là, il y a plusieurs endroits, en fait. Enfin, c'est par bloc, genre nord, sud, est, que j'ai fait. Là, par contre, Vous voyez, parce que là c'est un réseau de pompes, là, c'est un réseau de pompes, là, c'est un réseau de pompes et tout ça. Là, on vient juste de connecter le bas et le gauche. Mais c'est vrai qu'on pourrait tous les connecter entre eux, en fait. Pour être sûr de jamais être à court. 4200.
Non, c'est très bien comme ça. On va s'équiper pour le combat et on va finir notre mission. On va voir ce qu'ils vont nous dire. Voilà. Et si jamais il y a quelque chose à faire, on reviendra ici. On mettra plus de machin là, de compresseur. Là. Mettra plus de compresseurs si besoin. Nickel. Faire attention à ma vie, moi. Gros machin. Ah! Il est mort avant. Nickel. Comme j'ai dit, ici, on peut mettre des compresseurs. On peut refaire des petites bases, complètement. C'est assez grand, c'est complètement assez grand. On va mettre un scanner ici aussi. Voilà. On va pas passer notre temps à scanner les trucs à l'ancienne. Ça prend trop de temps. Ça, c'est pas vraiment un truc que j'aime à faire. Très bien. Nickel, l'épreuve de la base. Toi peut-être que t'es rare. Ow. Nickel. Oh la vache. Allez, attention, on a plus de... Bon, ça l'a détruit. Encore une tourelle. Destroy all the biofactories in this area. It will be much harder for the hostile creatures to attack our outpost now. Warning. I detected a massive swarm of creatures heading towards our outpost. Ok, ça va être la très grosse 5 minutes. Ouais. Ok. There's limited space to build strong defenses on land, but we can take advantage of morphium towers and place them directly on the liquid. I think they should be most effective when placed in groups so they can back each other up with shields. Marche. That is a good idea, Ashley. Oui, bonne idée. Bonne idée, Ashley. And support them with a few artillery towers placed on land. C'est exactement ce que j'ai fait en plus. C'est ce qu'il vient de dire, genre mettre des artilleries sur la terre. C'est exactement ce que j'ai fait. Oh, par contre, on peut quasiment plus se déplacer parce que là j'ai mis des tours en fait sur les tuyaux et tout. On peut plus passer, quoi. C'est vrai. Hop.
Non, ça va venir surtout de là. Je pense qu'on va se taper les trois vagues au même endroit, j'imagine. Je suis quasiment certain. Faut pas que ça descende en dessous. On est à 4000. Tant que ça descende, que ça se construit. 4002. Et on consomme 3008. Très bien. Alors. De toute façon, après, attends, courant là, on est mauvais. On est mauvais à cause de ces merdes là. Moi, je veux des ça. Je pourrais en construire là, mais bon, ça me fait chier. Je veux faire un truc joli. Faudrait que celui-là, ça se finisse, là. Putain. Ah, vous me faites chier. Après, honnêtement, c'est pas beaucoup de courant, donc à la limite, on s'en tape, quoi. Ah non, mais ils vont me faire chier, hein. Je vais devoir... Non, je vais pas pouvoir faire un truc joli parce que... Nique sa maman. Hein. J'ai rien dit. Ah mais non, non, là c'est sur le tuyau en fait. Bon. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit? Voilà. Voilà. Tiens, c'est passé à 420 maintenant. Pourquoi ça monte d'un coup? Qu'est-ce qui se passe? Ah, parce que j'ai coupé le courant. J'étais pas en construction en plus, donc ça met longtemps, c'est pas grave. Ça va faire quoi? 200 de plus, donc on est à 4325. Et on produit 4600, ça va. Et ça produit 1000 d'énergie, donc on sera largement au-dessus. Ouais, donc ça c'est ce truc-là. Ça c'est vraiment un truc ultra relou de pas pouvoir virer les gisements directement. Ça c'est... Ou alors construire par-dessus, genre d'autres bâtiments. Ça serait vraiment pratique. I can sense the ground shaking. I estimate a few thousand creatures running at our base. They are very close. Prepare yourself, Ashley. Ouh, c'est des gros. Ah, doit être des minotaures.
We've made all the preparations that we could. Let's go out and meet them. Allez, tourelle, c'est l'heure de tirer. Ça va tirer, ça. Eh, hey, piou piou. On pourrait mettre des tourelles comme ça aussi. Là c'était ça c'est les extrémités donc là c'est normal. Enfin on devrait peut-être y aller. Ah, on va peut-être y aller. Là, les drones qui sortent. Qu'on puisse regarder les boucliers aussi. Non, ça va. Ça fait que augmenter en fait, c'est ça qui est vraiment bien. Dès qu'il y a une toute petite pause, genre d'une seconde, ça repartit. Ouais, ça va. Hop là. Ça y est, la tourelle elle est finie. Enfin, la centrale est finie. On est à plus 600. But we can now safely export morphium from this location. This resource can prove very useful for strengthening our presence on Galatea. Mission réussie, les copains. Mission réussie. Nickel. Donc, voilà. Là, le Morpheus est bon. Très, très bon. Voir les ressources un peu qu'on a. 280 200 180 200, ça va, c'est bien. Uranium on est au max, palladium on est au max, tout on est au max. Ferdonite qui va beaucoup plus vite que prévu, c'est pas grave, ça va, y a rien qui a changé. Alors maintenant le plateau de biofabrication, c'est parti. Donc là, ça en théorie c'est quoi, ça va être la guerre, c'est ça? Je crois. On va faire le tour de la map comme d'hab. Et après on va s'installer. Je crois que ça va être la guerre. Parce que... ouais. On va voir un peu. Après peut-être qu'on n'a pas besoin de faire de base. Hein. Successful. I am not detecting any biofactories yet. We have to walk around and search for them ourselves. This area is primarily flat and open. We should be able to navigate it quickly. I would like to gather more specimens of those large four-legged beasts if we run into them. I need to know the extent of the X-Morph engineering within them.
This might tell us where they're headed with their designs and how to combat them better. Ça marche, on est déjà à 5. Donc on doit analyser les machins. Les machins à quatre pattes. Ciao. Oh putain. Massacre. Ah, peut-être que le gros carré rouge en est un. Genre peut-être qu'il nous les montre. Ah. Oh mon dieu, tout ce qu'il y a. Eh ben. Dark energy bursts in a few locations around us. Okay. These must be hybrid biofactories. We should go there and destroy them. There's a lot of them. If we don't act quickly, they will overrun us. Let's get to work. Okay. Ça, c'est fun. J'aime bien là, parce que là, c'est plus combat. Plus combat stratégie, ça... Un peu moins... Ok. Oh mon dieu, tout ce qu'il y a. We've destroyed the first biofactory. It looks like they were heavily defended by X-Morph defense towers. I think they expected us. Je suis d'accord que c'est... Oui. C'est heureux qu'on est bien équipé. Hein. The wind is very slow today. Non, on peut pas mettre de tourelle ici. Plasma extraterrestre. Nickel. Analyse-moi tout. Go. Nickel. Donc plus que deux. Parfait. Ouais, j'aime beaucoup le DLC. Plus combat. Puis ça change un peu aussi. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, les biomes, tout ça, ils se ressemblent un peu. Enfin, ils se ressemblent. Les biomes se ressemblent pas, mais la façon de jouer se ressemble extrêmement d'un biome à l'autre. C'est toujours analyser des machins, construire une base et tout ça. Là, il y a quand même un peu plus de variation en fait. Avec.
avec les méchants. Oh oh oh, pas les gros. Biofactory destroyed. I think they're creating all these Florian creatures. They've been preparing to destroy us. I'm detecting a rise in activity at the remaining biofactory locations. They are ramping up their efforts. Ah, ils sont en train d'augmenter la défense des autres, quoi. C'est tout. Attendre que le bouclier remonte. Wind is picking up again. Parce que là ça devient un peu... back to normal. Ça devient un peu dangereux. Rien qu'avec la tour, la Gatling aussi ça fait mal. Les deux font très mal. Corrosif parce qu'ils sont sensibles en fait au corrosif. Puis après la Gatling parce qu'elle est extrêmement puissante quoi, tout simplement. Ouais. Extrêmement puissante. Nickel. Quel. Ah. Non. The weather's changing. Wind is slowing down. Ah. Wind has stopped. Our wind turbines are down. Hop, c'est parti. Et attends, on les... Ah, c'est peut-être pas les mêmes, d'accord. C'est pas... On est toujours à 8 sur 10. Enough samples of the Florian creatures. Uh-huh. Their design is very cool. We probably shouldn't call them a species, as they cannot reproduce on their own. These organisms are powered by morphine. Mais attends, on est toujours à 8 sur 10. It is hard to say how long they can survive on the Sakari that they carry within their bodies. They can communicate amongst themselves and appear to function autonomously. There's no evidence to support that they're controlled remotely, but I can't rule that out either. Ooh. Bon, du coup, on n'a pas fini. Obtenez l'échantillon des Furiens grâce au bioscanner 8 sur 10. C'est pas les bons qu'on scanne depuis tout à l'heure? Pourtant, elle a dit que, j'ai l'impression qu'elle a dit que c'était bon. Ah. Alors, c'est les rouges? Ouais, c'est les rouges, d'accord. Bonjour.
nickel. Yes. Non. Non, Furion Ultra, d'accord. Non, c'est pas les mêmes. Ok, nickel. Si jamais on refait une base quelque part, on pourrait peut-être faire une réserve de... Ah. Yes. Ouais, ça c'est énorme. Ouais. Une réserve de... De matériaux, genre pour en avoir encore plus. Ouf, je vais voir un peu, je voudrais un peu lire sur ce qu'on a. Alors les tours, on a 6%, après on a les grosses tours comme ça. Bon, tour à plasma, 12% de dégâts. De PV. Ah, faiblesse, pareil. Ça, c'est cool. Tu peux la tour, tu peux pas m'aider à analyser les trucs importants là. Attends, on va en mettre deux là. Analyser les trucs vite. Merci. Nickel. Ah, bien content d'avoir augmenté notre vitesse de déplacement. Parce que putain. I'm detecting a decrease in wind speed. This may affect our wind turbines. Nickel. Et on est bon. On va faire le truc du haut. The wind is very slow today. Wind turbine yep. Efficiency is not going to be that great. Hop. Let's go. Ça c'est du bombardement quand même. Nickel. Nickel, nickel. Let's go. Marrant d'être aussi puissant là, d'avoir fait un super combo d'armes, je suis très content. Très bien.
Oh le bordel. Oh la vache. Nickel. Bon, on arrive au... Bio usine. D'abord, on va faire ça. Nickel. On a plus de tourelles. C'est pas grave. Il y a un truc aussi, il y a ça, je le fais quasiment jamais. Genre, qu'est-ce qu'on pourrait trouver ici? Vas-y, fais voir un peu. Bon, ce serait des gisements, j'imagine. Ouais, je suis miné, d'accord. Ouais. Il n'y a rien de spécial, c'est ça que... C'est bien ça. Il n'y a rien de très spécial, en fait. C'est peut-être pas un endroit qu'on va rester, donc ça sert un peu à rien de faire ça. On va voir un peu. Aïe! Ouais. Wind is picking up again. Power generation is back to normal. Putain! Nickel. Ah, derrière, non! Il est presque. Plein de mode. Detecting an intense ion storm coming our way due to a recent coronal mass ejection on Galatea's sun. It may disable some of our equipment. C'est pas où je tire, je vois rien. The ion storm is disabling our equipment. Oh mon dieu. Mon dieu, on a tout activé en même temps. I am not detecting any more biofactories in this area. Mission complete, Ashley. That should slow them down significantly and buy us more time. I am afraid they will not let us rest here. Worrying signals are coming in from the Metallic Valley outpost. We should go there as soon as possible. Encore? There's never a dull moment. Let's jump back there as soon as possible. Putain, c'est con parce que notre avant-poste... Everything is getting back to normal. Le premier avant-poste de la vallée, il est pas extrêmement... Bah, il est bien, hein, mais bon, il y a mieux, quoi. Je vais attendre que ça remonte, là, le bouclier. C'est pas pourri, hein. Mais bon, un peu mieux, quand même. Voilà.
Ouh, fais voir ce que ça dit sur l'avant-poste 5. Non, ça dit rien pour le liquide. Ouais, donc de toute façon, ça dit rien pour le liquide. Donc là, pas besoin. Donc il faudrait... Il faut retourner à la vallée métallique. De toute façon, on va devoir arrêter là. On va voir si ça attaque directement. Je sais pas trop. Est-ce qu'on pourrait refaire des défenses? Bah après, comme j'ai dit, les défenses, ça passe. C'est pas optimisé au max, mais ça passe. Puis c'est surtout qu'on a les bonnes armes et tout, donc... honnêtement, ils peuvent nous attaquer, hein, on les massacre. Hein. Puis on a fait des murs et tout. On va faire comme la dernière fois, si jamais... Ils vont attaquer dans un endroit qui est pas protégé, on va mettre un mur directement. Oh putain. Putain, on a plein de nouveaux trucs quoi. Là, ça en fait 3. Il faut arrêter. Ah putain. Oh, ils auraient dû penser à ça quand même. We're back at the Metallic Valley outpost. Let me guess. There's a huge swarm of creatures heading our way and we should prepare our defenses. C'est pas drôle de se moquer du robot. No. At least I'm not detecting any immediate danger at the moment. Ah bon. That's almost disappointing. Bah ouais. So why did we have to get back here in such a hurry? We've detected multiple X-Morph influence pylons appear around our outpost. They have covered a significant portion of the land with that metallic surface. Ah, c'est les gros piliers là qui mettent du... That's disturbing. We still don't know what these objects do. Let's go out and try to inspect more of them. Ouais, bah apparemment ça détruit mes... We can find some more clues about where they're coming from. Je crois que ça détruit les structures en fait. Tout simplement. Ou alors c'est des créatures qui nous attaquent. It will not be difficult to find these pylons. They should be common outside our base. We could also build a few radar stations to detect more of them. Putain, qu'est-ce que c'est long. Putain. Ah, vous nous faites chier. J'avoue que vous nous faites chier là. Comme j'ai dit là, le coup du biome qui est pas parfait. Pour notre cobalt, c'est pas marrant. On va devoir s'arrêter là, on continuera la prochaine fois. Bon, je devrais reprendre le courant là. Yes. Wind speed projection is returning back to statistically normal values. Wind turbines are back at nominal power levels.
Après, il y a ces endroits où on a utilisé des... ça, là. Ça en donne pas assez, c'est ça? Pas monter les choses. J'ai l'impression qu'on a fait des trucs, mais des fois ça a pas, ça a pas pris en compte, j'en sais rien. Voilà, on les a pas fait. Genre si on se téléporte trop loin, trop vite, ça ne marche plus. Ça finit pas la construction, c'est ça? Voilà. Moins 525 et on fait plus 600. Donc ouais, non, là c'est bon. Pourquoi il y a pas de... Allô? Ok, fallait le réactiver. Ah, c'est peut-être parce qu'on les a montés de niveau que ça fonctionne pas. On met 200 et c'est 225. Pourtant, ça a l'air d'être bon. Je comprends pas. Je comprends pas vraiment en fait. Là, pourquoi ça marche pas là? 2525. Ah ouais, tu m'étonnes que ça marche pas. Pourquoi il nous en manque autant? Faire les augmentations, on aurait dû s'équiper, mais bon, ça sera fait. Il y a une attaque qui arrive. Ouais, pourtant, je suis quasiment sûr qu'on a fait ça, non? Ou je suis fou, hein. Quasiment sûr qu'on a fait. Quasiment certain qu'on a fait ça, ma main a coupé. Enfin. Ce n'est point grave. De toute façon, c'est pas très grand. Mais ouais, il faut plus de Morpheus. Ouais. Il en faut un peu plus. Si on en a vraiment pas assez. C'est un peu triste qu'on en ait pas assez. Où est-ce qu'on a des... Là, hein, c'est vraiment l'endroit en fait. J'ai dit qu'on allait arrêter, mais je veux juste voir pour les pompes là, je pense qu'on est... On est au max. Danger!
Ils arrivent d'où? Oui, 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 ils arrivent de là. On va faire la horde et après on s'arrête. Peut-être des trucs pour transférer le liquide ici. Ouais, parce que ici il y a vraiment beaucoup de Morbus. Ok, ils sont sur le mur, premier mur. Non, ils sont là, ils sont tous là apparemment. Pas tous là. C'est qu'ils bombardent. Enfin les monstres, hein, je sais que je bombarde aussi, mais j'ai une marque rouge. Mais bon. Presque. Ça fait chier parce qu'on a une marque complètement à l'extérieur de la map en fait. Enfin, on peut mettre des choses. Quoique. Non, si, on peut mettre des choses. Mais. Mais on va pas pouvoir vraiment le protéger en fait. Donc, fais voir un peu là. Là aussi, il faut le sélectionner, j'imagine. Moins 300. Plus. Je comprends pas pourquoi. Parce que là, on consomme plus que ce qu'on a, non? Je comprends pas. Je sais pas. Ça marche. Tant mieux. Là, par contre. Ah oui, non, mais il y a ça aussi. Donc, faut faire ça. Parce qu'on l'a monté de niveau. Là, ça devrait marcher. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Ici. Donc là il faut pareil reprendre, voilà, nickel. Ça on peut virer. Détecteur là-dedans. Ben voilà.
Là, tout est niveau 3. Eh ben. Là, là, nickel. Un truc qu'on pourrait faire, c'est mettre des défenses sur cet endroit-là. Et après, on se casse. Small piece of comet entering the atmosphere close to our position. It is highly probable that it will land close to our base. Voilà, et là. Ça. Nickel. Et un téléporteur. Pas vraiment besoin de faire des murs et tout. Enfin, si, on peut, hein, comme d'hab, mais. C'est un peu relou, quoi. The comet has a very interesting mineral composition. It has to bring in something valuable. I am tracking its landing location. Est-ce qu'on avait tout connecté? Ouais, on avait tout connecté, je crois. Ouais, on est à 5 millions partout. Ah non, on a tout connecté. Je comprends pas vraiment comment ça fonctionne. Là, on fait... On est d'accord qu'on a besoin de 3450 et on utilise... Et on fait 1400, là, avec les pompes. On est d'accord? Ou je suis complètement fou? Je sais pas, tant que ça fonctionne. Je crois qu'il y a... Je crois qu'il y a un truc un peu bizarre avec avec le fait que on en fait venir en fait par téléporteur, je crois. C'est où le tube que j'ai eu? Non. Ah, c'est là. Ils étaient déjà connectés, sûrement autre part. Allez, on va s'arrêter là. Donc, activer davantage de pylônes. Ouais, donc on va devoir faire ça. Je sais pas exactement où ils sont, mais on couvre énormément d'endroits, donc ça va. C'est un peu le bordel, cette map, mais... c'est vraiment le bordel, non. C'est vraiment le bordel. Mais ouais. On a téléporteur un peu partout, et puis c'est sympa. Allez. Sauvegarder. Est-ce qu'on a des recherches à faire spéciales qu'on n'a pas découvertes? Non, hein. On va sûrement avoir en récompense, genre les épées, laser, et peut-être ça, là. Je sais pas ce que c'est. Ah. Cette recherche nécessite le niveau connaissance 2 des fungus tentaxian. Ok. Je sais pas ce que c'est du coup. Et là. Après avoir atteint l'objectif de la campagne. Ok, ça marche. Tiens, ça, je. Ouais, les plantes. Je sais pas où on faut les trouver. Là, c'est embêtant, ça, c'est bête. Sauvegarde. Et on est bon. Tada! À la prochaine, on va continuer ici. C'est un biome assez intéressant pour nous, parce que comme j'ai dit, on a une base qui était à moitié faite, parce qu'on a découvert les nouvelles choses et tout ça. Puis après, on a fait une autre partie, en fait, complètement ailleurs, mais on a réussi à connecter les deux. Il y a des murs à certains endroits, pas partout, c'est un peu étrange, mais au final, ça marche bien. Et puis, comme j'ai dit, là, on est vraiment très puissant pour nous, avec le corrosif et tout. Donc ça marche plutôt bien contre les monstres d'ici, on a vraiment pas trop de problèmes. Et après, on arrive à la fin du jeu, en fait. Là, on pourrait aller le finir. Hein. Parce que... Construisez station dimensionnelle pour rentrer sur Terre. On a tout ça, hein. On a tout. On a le titane, palladium, l'uranium. Donc, on peut finir le jeu si on veut. Mais là, on est en train de faire à fond le DLC. Donc, c'est cool. En plus, ça nous permet d'être très efficace pour construire ce qu'on veut. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment sympathique.
Et honnêtement, le biome, le quartier général, le biome de base, je crois que je vais tout recommencer. Je vais faire une bonne sauvegarde. Je vais voir si c'est possible de tout détruire et de tout refaire. Sans tout perdre, en fait. Parce que, oui, c'est vrai que de tout... Parce qu'en fait, il faudrait tout détruire en une fois. Et après, tout reconstruire. Parce que si on reconstruit partie par partie, ça va être vraiment relou, je pense. Enfin, je sais pas. On va voir. Je vais y réfléchir. Ouais. À la prochaine. Ciao, ciao.